Hello, il est 7h40, on est lundi, c'est un nouveau vlog. Je vais dire mais qu'est-ce qu'elle fout le lundi, elle n'a pas cours. Je suis là à 6h45 parce qu'on va à la BU de médecine avec Jade. Parce que les révisions hier et avant-hier dans le train c'était un gros échec, une graine de ouf. Du coup impossible de réviser dans le train, franchement j'ai un petit peu plus à l'aller mais au retour c'était impossible, j'ai tellement mal à la tête. Hier soir pareil j'ai voulu mais c'est genre j'avais la migraine, limite elle me fermait les yeux. Et la BU justement on va à celle de médecine, d'habitude elle va à celle de droit. Elle ouvre à 8h, il faut qu'on y soit à l'ouverture donc il faut que je me dépêche parce que je suis censée être à 7h40 chez Jade. Mais il est déjà plus de 7h40. Heureusement on habite pas très loin. Bon là j'attends Jade, il y a du monde en plus c'est vers... là il y a tous les gamins du collège. J'ai les cheveux qui vont devenir encore électriques à cause de mon écharpe. Il y a trop de monde, du coup j'attends. Hola hola, ma grosse écharpe, je vous retrouve. J'ai fini les cours, on a fini vers 15h45, on a fini plus tôt en fait. Donc voilà, c'est fait, comme ça je pourrai rentrer réviser. Puis j'ai pas mal de choses, je dois modifier un truc de la vidéo pour jeudi. J'ai pas monté ma vidéo qui est censée être en ligne aujourd'hui à 17h, c'est-à-dire dans une heure. Puisque ce matin je suis allée à la BU, donc bibliothèque universitaire de médecine, toute la matinée. Bref, je vous ai parlé d'un feu rouge, puis le feu a redémarré, donc je ne vlogue pas en... quand je suis en train de conduire, quand je suis arrêtée. Et du coup oui je disais, donc on y allait vers... on était un peu plus de 8h du coup parce qu'il y avait vachement de bouchons pour y aller. Bah tous ceux qui vont à la fac de médecine, qui vont à la BU de médecine, enfin tout ça. Il y a vraiment beaucoup de monde, parce qu'ils sont beaucoup en fac de médecine. Du coup on est arrivé un peu plus de 8h, ça va il y avait encore quelques places. Mais en fait les gens quand ils viennent pour bosser là-bas, ils y restent la journée. C'est-à-dire qu'ils posent leurs affaires, quand ils vont manger le midi, ils laissent leurs cours et tout. Pour réserver leur place, enfin bref c'est le gros bazar, si tu vas pas direct le matin t'as pas de place. Et bizarrement j'ai réussi à me concentrer tout ce temps jusqu'à midi pour revoir vraiment tous mes cours. Bon il y en a que j'ai revu un peu plus d'autres parce qu'il y en a que j'avais connaissais déjà un peu. Mais là je voulais tous au moins les revoir, les trucs principaux on va dire. Et bizarrement j'ai réussi à me concentrer. Bon j'ai posté une petite photo Insta tout ça. Et ensuite après on est allé au McDo. Du coup là dans ma voiture ça sent le McDo. Parce qu'on a pris à emporter, enfin bref, on a mangé dans la voiture sur le parking d'ici. Donc avec Jade, je vous l'ai dit ce matin avec Jade, parce qu'elle avait le rattrapage aussi avec moi. Donc voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé, je déteste quand on me demande ça. Donc là je rentre à la maison, c'est parti. Ce sera un vieux truc de fête foraine quoi, super. Bon me voilà rentrée, encore les cheveux électriques là qui me collent. Cette écharpe, c'est vraiment des trucs que je déteste en hiver, pourtant j'aime bien les écharpes. Je vois que j'ai reçu un gros colis et ça doit être mon colis MyProtein et il me semble que j'ai pris beaucoup d'habits. Donc je pense que je vais pas vous l'ouvrir dans le vlog mais je vais vous faire une vidéo genre haul. Ce serait bien que je la filme ce soir comme ça ce serait fait. Parce que il y a plusieurs qui m'ont dit que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de haul et c'est vrai que j'achète pas trop de trucs en ce moment. Pas vraiment de sous pour aller faire du shopping vêtements. Donc du coup je pense que je vais vous faire ça en vidéo. Et j'ai trop hâte les gars. En 2 jours, je vais chercher mon iPhone 10. Vous imaginez même pas comme je suis impatiente. Et sinon, il fallait que je vous raconte un truc. Hier, quand je suis rentrée, donc je regarde les poissons et tout. Et je me dis, mais c'est bizarre, il en manque un. Je ne le trouvais pas. Et il était mort sous les arbres avec un escargot qui me montait dessus. Et c'est trop bizarre. Parce que généralement, les poissons, quand ils meurent, ils flottent. Et là, il était par terre comme un des autres. Et là, en fait, j'ai pas eu le temps de l'enlever hier soir parce que je suis arrivée et j'étais crevée. Je me suis couchée. Je sais pas quel poisson a essayé de le manger. C'est un escargot qu'il a dévoré. Je pense que c'est des escargots qui l'ont mangé parce qu'il y a encore un escargot sur lui et il a changé d'endroit, trop bizarre. Il est à moitié mangé, genre il est tout rogné et on voit un bout avec ses arêtes. Je vais vous épargner la scène, mais il faut vraiment que je le sorte de là. Et là de toute façon, une fois que mes parcelles sont passées, je désherbe toutes ces plantes qui sont immondes, pleines d'algues. Et je vais racheter des plantes, tout ça, parce que là c'est immonde, c'est pas beau, enfin bref. Me va pas du... Donc là il est quelle heure? Il est, il va être 16h. Donc je vais monter la vidéo qui doit être en ligne. Du coup elle sera peut-être un petit peu après 17h parce que j'aurai pas forcément beaucoup de temps. Ensuite je filme l'autre vidéo et après je révise pour demain. Ça va, il n'y a pas trop de trucs à réviser en fait demain. Faut juste savoir la méthode. Parce que demain, si vous voulez savoir, c'est le partiel d'éducation thérapeutique. Bon alors, il va être 18h20, j'ai tourné une vidéo, donc du coup la vidéo haul de ma commande MyProtein. J'ai eu le temps de modifier la vidéo que je devais modifier, avec ça je devais faire une photo Insta. J'ai monté la vidéo qui devait être en ligne à 17h, enfin bref, j'ai été assez efficace. Franchement, je suis plutôt fière de moi, là je suis en train de ranger mon éclairage parce que...
Voyez-vous qu'à cette heure-là, on est obligé de mettre un éclairage. Ça ne donne rien. Et voilà, tous mes trucs My Protein. J'aurais mis une petite photo sur Insta pour vous montrer un petit aperçu en attendant que le haul soit en ligne. Là, ce que je vais faire, je pense que je vais aller prendre ma douche tout de suite. Et comme ça, je me mettrai à réviser après. Comme ça, là, je me démaquille, tout ça. Je vais en tenue confortable pour revoir un petit coup avant demain. Mais ça va, demain, c'est pas une évaluation. Trop de connaissances, il y aura sûrement quelques définitions. Je suis en train de voir que j'ai mis mon téléphone à charger. En fait, j'avais pas allumé la batterie. Super. Et bref, bref, bref. Hello, nous sommes mercredi. Et là, je vais en cours. J'ai une nouvelle mail. J'étais censée aller chercher l'iPhone aujourd'hui. J'ai reçu un mail hier, ou quoi. Ils avaient pas reçu leur stock de livraison. Enfin, bref. Mais sur le site, c'est toujours écrit pour aujourd'hui. Du coup, je sais pas si je vais quand même aller voir un magasin. Je vais voir, mais ça me saoule un peu. Bon, je sors de cours. J'ai pas beaucoup le temps parce que du coup, le partiel est à 13h30, mais faut y être plus tôt. Du coup, là, je passe hier chez Jade. On retourne au McDo. Super, on fera mieux la semaine prochaine. Hello, journée terminée. Bon, on a fini un petit peu plus tôt. Sinon, mon partiel de cet après-midi, je pense que c'est celui que j'ai le moins réussi de ceux que j'ai passé pour l'instant, j'ai l'impression. On verra bien. Je crois que les résultats sont en février, le 16, dans longtemps. Et comme je vous l'ai dit à midi, on a mangé McDo avec Jade parce que Jade avait aussi le rattrapage avec moi. Et c'est pas pour me justifier que j'ai mangé McDo, mais il devrait faire plus de trucs sains. Rapide en fait. Enfin, moi je sais que le seul petit resto qu'on peut prendre en portée rapide est ici en gros, c'est en plein centre-ville, donc c'est un peu trop loin. Du coup, bah en fait il n'y a pas grand chose. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit ah, t'aurais pu t'emmener une salade, un truc, mais bref, je pouvais pas prévoir, je savais pas quelle heure on allait terminer. Du coup, on a fini à midi, puis il fallait qu'on y soit à au moins 13h15 à l'IFSI. Du coup, en gros, ça laisse pas trop de temps. En plus, où je suis passée pour aller chercher Jade, il y avait bouchon et tout, enfin bref, la galère. Mais bon, c'est pas grave, à partir de la semaine prochaine, vu que je reprends le stage et que j'aurai plus de partiel, je vais reprendre le sport, tout ça. Parce que là, c'est un peu la cata. Bon, sinon, je suis contente parce que j'ai passé tous les processus de la pharmaco, en gros, tous les trucs à réviser. Et à partir de demain, j'ai plus besoin. Enfin, à partir de là, maintenant, j'ai plus besoin de réviser, les gars. Du coup, en gros, le partiel de demain... En fait, on peut emmener nos cours, enfin, même c'est très fortement conseillé. Mais en fait, là, vous allez vous dire, mais c'est trop simple si on emmène nos cours. Mais en fait, c'est pas un partiel sur les cours. Sinon, tu ressors ton truc. C'est un partiel plus de réflexion sur des trucs qu'on a fait pendant le semestre. Du coup, voilà, je pense que je vais relire quand même ce soir un coup mes cours. Et puis voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre. En plus, ça commence à 8h30, donc il faut y être genre 20 minutes avant. Ça dure jusqu'à midi et apparemment on ne peut pas sortir de la salle avant. Donc je sens que ça va être génial. Je pense qu'on est genre un petit goûter et tout. Bref, ça va être super, fantastique. Donc j'ai pas du tout hâte de ce partiel. Sinon après demain on a un dossier à rendre et un partiel à l'oral en groupe. Ça devrait aller. C'est sur un projet de soin donc qu'on a fait avant, donc c'est pas vraiment un truc à réaliser. Bon après faut quand même connaître ton sujet, faut quand même connaître les modes vocabulaire, mais voilà. Et là j'ai enfin eu le lieu exactement où je vais en stage, parce que je vous avais dit en psychiatrie, je savais l'endroit mais je savais pas où exactement, enfin il y a plusieurs en gros services. Donc ça y est je sais, donc je suis plutôt avec les personnes âgées, au-dessus de 60 ans, donc je suis pas trop ravie. Après je sais pas trop ce que ça donne en psy, mais bon j'ai déjà vu des personnes âgées en EHPAD, qui étaient un peu psy entre guillemets, du coup... Je sais pas, on verra bien. Et mon deuxième stage en psy, c'est avec des personnes entre 18 et 65 ans. Donc plutôt des personnes genre dépressifs. Il y avait écrit dépression, névrose, tout ça. Donc on verra bien. Du coup, je vais pouvoir spécifier mes objectifs de stage. Et puis voilà, je vais me poser. J'ai trop mal à la tête là, j'en peux plus de ces migraines. Là, j'ai eu en gros des migraines tous les jours depuis samedi, quasiment toute la journée. Donc j'ai grave hâte d'aller demain chez le médecin parce que là, en plus, c'est une remplaçante de mon médecin. Du coup, j'espère que ça ira. Mais bon, il n'y a pas de raison. Donc, voilà, voilou. Là, je pense que je vais me poser un coup. Il est 16h37. Je vais me prendre un petit goûter. Et je poste une vidéo aujourd'hui à 18h. Oui, je sais qu'on est mercredi. Mais c'est la marque que la voulait aujourd'hui. Je vous l'avais déjà dit, je crois. Non, je sais plus. Bref. Et du coup, je la posterai pas demain. Mais bon, ça change pas grand chose. Que ce soit mercredi ou jeudi. Je vais enfin pouvoir reprendre la lecture, tout ça aussi, parce que j'aurai plus de temps. Et je suis vraiment contente, voilà. Franchement, ça fait un bien fou de se débarrasser des plus gros partiels, vous imaginez même pas. Pouvoir reprendre, là, il faut absolument que je range, parce que c'est le bazar pendant les partiels, les révisions.
J'ai accumulé du bazar, enfin bref, la cata. J'ai trop mal à la tête en fait, c'est genre j'ai une barre qui ne passe pas et j'ai l'impression en fait en gros ça appuie sur mes yeux et ça m'empêche de me concentrer à fond. C'est-à-dire que on avait des travaux de groupe, j'avais besoin de refaire ma partie, genre pour faire mes phrases, j'arrivais pas à me concentrer. Pareil dans le parcelle quand j'essayais de retrouver un truc dans ma tête, c'est horrible, j'ai l'impression que ça fait pas des pertes de mémoire mais genre... Ça brouille mon cerveau quoi, c'est insupportable. Du coup j'en parlerai demain à mon médecin, je pense que je vais reparler aussi des douleurs de dos parce que là j'ai eu mal au dos. À nouveau, alors que j'ai pas du tout fait de sport cette semaine tout ça, enfin bref c'est un peu fatigant. Et ce que je prends pour mon mal de tête, elle me l'avait donné aussi pour mon mal de dos avant. Et là j'en ai quand même pris aujourd'hui et ça ne marche ni sur le mal de tête ni sur le mal de dos. Donc fantastique. Bon sinon hier on a fait les courses en drive, du coup on a acheté plein de trucs, il y avait une promo de pitch et mon copain mange ce genre de trucs genre le matin et tout, moi non. Du coup là j'ai envie d'en manger parce que je n'ai pas mangé je pense depuis genre la maternelle quoi. C'était genre le goûter qu'on prenait tout le temps. Et on faisait ça. Et on s'amusait toujours à appuyer dessus ici. Et comme on était en maternelle voilà on aurait dit du caca et ça nous faisait rire. Mais bon on avait 4-5 ans. Maintenant ça me fait plus rire du tout mais est-ce que c'est toujours aussi bon? N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez pété le truc. Je pense que oui parce que moi je le fais encore avec certains trucs maintenant. Et si vous aussi vous mangez des pitchs. Parce que quand j'étais à l'école maternelle, on avait encore le droit au goûter. Maintenant, je crois que dans les écoles, sauf peut-être certaines écoles, ils n'ont plus le droit de prendre des goûters. Genre Lily, je sais qu'elle avait plus le droit du tout de prendre des goûters. Moi, quand j'y étais, j'avais le droit. Bon, me revoilà, je me suis posée devant des vidéos. J'ai regardé quelques trucs pour l'aquarium, comme je vais avoir un peu plus de temps de m'en occuper. Et sinon, j'ai fait des photos pour Insta. J'avais quelques photos à faire, donc j'en ai déjà publié. J'ai commencé un petit peu à répondre aux commentaires de la vidéo d'aujourd'hui aussi. Et là je vais aller me doucher parce que comme tous les soirs à cette heure là j'ai ma migraine qui à la base était là commence à se déplacer dans la tête. Et c'est pas forcément très très agréable donc là je vais aller prendre une douche comme ça après je me pose. Et je vous jure que j'ai tellement mal que je crois que je pourrais m'endormir maintenant jusqu'à demain matin. Du coup je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve demain. Et si je mets ma main comme ça en fait c'est parce que le dessus de ma main est froid et ça fait du bien.